Mesdames, messieurs, voici l'excellent Sam Breton! Bonsoir tout le monde! OK, Sean Bright like a diamond! Juste faire des petites mises au point rapidement. C'est pas le micro qui vient de chier, c'est vraiment ma voix. C'est ma voix que t'entends. C'est que je sais, ça sonne comme le sida, mais garde. C'est... Deuxième chose, on se mettra pas à tête dans le cul. À soir, on est en famille. C'est sûr qu'il y a mon visage. En plus, tu me connais pas. J'arrive devant un spot, c'est normal. Il y a mon visage, il y a ma face. C'est normal quand tu me vois, juste pour rire. C'est normal quand tu me vois, tu sais, tu te dis, c'est normal. Tu veux dire, tu sais, ce que j'essaie de te dire, c'est que quand tu me vois à face, ça se peut que peut-être dans ta tête, tu te sois dit, whoop. Parce que ma face, c'est comme une viande, hein? Ça saisit! Ça, c'est... Et moi, dire, comme dirait mon petit neveu, « T'as ressemblé à l'âme dans Shrek! » Et vrai, tu peux pas m'en vouloir, j'ai 48 canines dans ma gueule. C'est sûr que s'il y a un dentiste ici ce soir, il me regarde en ce moment, puis il est comme... Oh, ouais. Le v'là, mon deuxième chalet! Je suis ce qu'on pourrait appeler un gars de région. Et là, je te vois pas être surpris. Là, tu m'entends parler. Là, t'entends mon accent. Là. Y a personne qui m'a entendu parler quand je suis arrivé sur la scène il y a 3 minutes puis qui s'est dit « Hum, ça a dû étudier à McGill, là, cet enfant-là. » J'ai été élevé dans un village de 800 habitants, dont 750 retraités. C'était le party! C'était le party! Donc, c'est pas compliqué, ça sent à mort. Ça sent à mort dans le village. Tu roules, ça sent le cercueil, tire le bric-à-bras. Mon petit loup, t'es rendu. Attache-toi pas à Gisèle à l'épicerie, elle sera pas là la semaine prochaine. T'as jamais vu un salon funéraire 24 heures? Viens me voir. Disons, le faux crématoire, il se fait à la garnotte sur un chaud-temps. Juste pour te dire, l'hiver, on chauffe aux cadavres. Et ça, c'est... combien qu'annonce? Combien qu'annonce? Moins 40? Oh, c'est le tour du gros Gérard. Whoop, à l'air! Là, il va te dire une information qui va te saisir un peu plus. Là, avale pas de salive, tu vas cracher ça dans la permanente en face de toi. Là. OK, attention. Restez groupés, je suis là pour toi. OK, attention. Moi, j'ai une blonde. Bah, c'est bon. Hein? Ça, ça donne un coup, par exemple. Hein? Oh, mon Dieu, j'aurais jamais dit ça avec ta face. Surprise, Montréal. Surprise. Puis ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Tu vois que c'est pas de la merde que je te raconte. Quand même, 4 ans. Je veux dire, ben, inconsciente de mon visage. Je veux dire, c'est pas une fille Mira, là. Elle me voit. Tu sais, c'est... Mais pas de drogue dans son verre non plus. 4 ans de relation sans drogue, là, ça revient cher à la fellation, hein? Mais bref, on dira ce qu'on voudra dimanche passé. J'étais avec un de mes amis gays, on est en train de prendre un café au Sagan Cock. C'est très fin, mon humour, c'est très fin. C'est du deuxième degré, c'est pas tout le monde qui a saisi, c'est normal, c'est normal. T'as vu ceux qui ont ri tous les diplômes. Les autres, tu sais, c'est très recherché ce que je fais. Et on parlait de fantasmes, on parlait... Moi, c'est l'affaire que j'aime le plus dans la vie, les fantasmes. Et on va se dire, le fantasme numéro un pour un gars, c'est... deux femmes. Merci aux filles d'avoir répondu. C'est le trip à trois. Puis ça, c'est le fun. C'est le fun, le trip à trois. C'est le fun. Puis comme dirait ma mère, dans la vie, quand t'as du fun... Yes! OK, alors c'est... C'est pas la meilleure d'un phrase, mais elle te fait une lasagne. Ah! J'étais avec mon chum de gars. J'étais avec lui. Il s'appelle Marc. Faut toujours que je le nomme. On jase ensemble. Tu sais, moi, Sam, un jour, j'aimerais ça faire un trip à trois, mais tu sais, des fois, je me sens bizarre. Mais non, t'as pas d'affaire à sentir bizarre. C'est normal. T'es un gars, faire l'amour avec deux filles. Il dit non, c'est ça l'affaire. C'est que moi, ça serait avec un autre gars. Comment? OK, 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 Il me dit, c'est pas anodin, Sam, si je t'en parle, c'est que j'aimerais ça que l'autre gars, ce soit toi. Là, je fais, c'est parce que j'imagine que c'est un compliment en même temps. J'ai dit, t'es fin, mais oublie ça. Alors, ouais, non, tu connais ma blonde, t'es un gars propre, t'as des belles dents. J'ai dit, arrête, ça se passera pas. Ça fait longtemps qu'on joue au hockey ensemble, on s'est déjà vu dans la douche, y'a personne qui va être surpris. J'ai dit, arrête, ça se passera pas. Là, je voyais comme insulté de ça. Il dit, Sam, je pensais pas que je te répugnais tant que ça. Non, c'est pas toi, mon chum, c'est ta blonde que je trouve là en la